Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 27 de notre aventure sur Horizon Zero Dawn. Nous sommes à la montagne, aller à la montagne déchue. C'est une montagne, elle est là, elle est pas déçue, elle est juste déchue, tu vois ce que je veux dire? Bah quand t'es déçu t'es là, ouais je suis déçu, c'est chiant tu vois. Mais quand t'es déchu, t'es pas encore sûr d'être déçu à 100%. Enfin bon, hey, terrible histoire pour une montagne. Et on doit rejoindre la côte amère, parce que c'est une côte, c'est pareil, tu la mets dans la bouche, c'est un peu amer, c'est pas sucré, c'est pas salé, c'est amer, voilà, bon écoute, hey, t'en fais ce que tu veux de mes conseils, frérot. Donc on est parti, alors là, c'est gangbang latéral, volume 3, dance party, donc on va essayer de se dépêcher. Nous sommes à 500 mètres de notre objectif, nous n'avons pas découvert vraiment le feu de camp, c'est pour ça, nous en avons un, hop, voilà. On va faire une petite save rapide, histoire, bien évidemment, d'enregistrer la position, mais aussi de pouvoir se téléporter par ici. Les gars, vous me faites faire demi-tour là, non? C'est très bizarre. C'est très 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 bizarre. On a une petite quête perdue ici. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est? Bah, eh. Ma soeur. Enfin, mon frère. De l'aide! Doucement. Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Un court. De l'aide pour Belvédère. Les étincelles attaquent. Mon frère va mourir. Tout le monde. Pas si je me débrouille pour l'en empêcher. Allez, on verra ça plus tard, casse-toi. Bon, on récupère notre frérot, Findus, bien évidemment, on n'oublie pas les blazes. Et direction la montagne, déchue encore une fois. J'aurais peut-être dû ramasser les îles. Il y en a un petit peu partout. Attendez, bougez pas. Hop. Ça, c'est très chiant, en fait. C'est très, très... Ah très bien, d'accord. Je vois que... Bon, hé, les gars, ça m'a saoulé, on y va. On y va, je ramasserai les îles plus tard, c'est pas grave. Je vois que ça veut pas faire d'efforts, on se casse. Yo les gars, c'est rien, chargez-moi pas. Je suis à dos d'un frère à vous, allez. On est parti, 300 mètres encore. J'espère qu'il y aura d'autres points de save. Dès qu'il reste 100 mètres, on va descendre les mecs. Parce que je sais pas tout ce qui m'attend là-haut, je vous avouerai. Et juste après... Ah oui, alors, les gars, j'ai fait le compte. J'ai fait le compte calmement, nous sommes à 4 batteries sur 5, c'est incroyable, il me reste une batterie. Et la batterie qui me reste, figurez-vous, qu'elle est pas loin. On va save ici, tiens, là il y a quelqu'un qui m'a laissé un petit coffre, ça fait plaisir. Quelqu'un qui a réussi à aller jusqu'ici et qui m'a dit gros, c'est pour toi futur aventurier. Alors c'est par où? Ben c'est par ici tout simplement. Bon, on est à 200 mètres de l'objectif, alors figurez-vous que la cinquième batterie, normalement est ici. En tout cas pas loin, elle est près de Gaïa, enfin du complexe Gaïa, c'est appelé comme ça. Donc, normalement, on devrait être bon. On va passer par ici. Le chemin jusqu'au sommet va être dur. Tu croiseras des machines cruelles à chaque tournant. Corrompues? Non. Mais elles ne laisseront pas passer un humain. Parce que d'habitude, oui. D'accord, très bien. Bon. Non. Voilà, faut monter. Parce que là, si je descends en rappel, on n'est pas bien, bas. Ok. Qu'est-ce que tu me fais, là? Mais qu'est-ce que... Aloy! Oh, le petit slow motion! Ah, les slow motion. Alors, ça n'a jamais servi à rien, bien évidemment, depuis le début du jeu, quand tu fais de l'escalade. Dans la lande. Et des veilleurs de l'autre côté. Ouais, ça se prend, les gars. Alors là, il y a du heal. On va tout récupérer. C'est qui savent qu'on va se free fight comme jamais. Il me restait une flèche, c'est terrible! Ok. On va se mettre à fond. Même ça, voilà. On va récupérer ça. Donc là, on a quoi, là? Que des veilleurs, c'est ça? C'est très intéressant, on va essayer de les contourner calmement. On va pas faire trop les chauds. Ah oui, je dois aller à 400 mètres. Oh. Ah! Ah oui! Qu'est-ce que c'est que ça? C'était quoi ça déjà? Je me souviens plus. Ah, c'était des lance-fusées, d'accord. On dirait qu'il y a des fils invisibles. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Un tracker? Mais il est pendu ce con! Ok. On va faire très attention. Je dois aller là-haut, mais c'est terrible! Peut-être passer par là. Très bien, pas du tout. Ok. Je suppose que c'est le chemin adéquat. On va passer par ici. Il y a un mec qui joue quand même de la flûte de pan à côté, genre sans aucune putain de pression. Ah, il kiffe sa vie, il a raison. Ok, c'est par ici.
Qu'est-ce qu'on a là? Allez, pirate! Ah, c'est terrible! Elle a pas voulu. Ok, on va en prendre un de notre côté quand même. Bon, il va me servir à rien en soi, mais bon. Vaut mieux avoir un compagnon que rien du tout. Attendez, ça va, hé, les gars. Essayez de se dépêcher. Voilà. Ok, eux ils vont se battre. Très bien. On peut y aller. On peut y aller, aucun putain de souci. Tiens, on va récupérer ça. Parce que ça donne d'huile. Là, il me donne pas mal d'huile. Oh là là. Je dois passer ça. Oh putain, j'avais pied. Le con. Le con. Ok. On peut continuer. Ça, c'est quoi ça? Je sais plus trop ce que c'est. Des racines, je sais plus à quoi ça sert. Je prends ça. Qu'est-ce que c'est? Sa mère. Quoi? Jure, il y a mon gars qui provoque. Un problème là. On est d'accord. Hein. Ok, on va pas le. Bah écoutez, on va pas le taquiner. Ah, très bien. Ah, très bien. Donc on peut pas pirater un mec qui est censé être invisible mais qui n'est plus. D'accord, il est parti. Il se raccroche à la vie. Oh! Oh quoi? Ok. Ok. Lui il est en feu, c'est très bien. Ok, lui il est en feu, c'est très bien. L'autre il est parti. Ça c'est chiant ça les gars. Ok. Je sais pas ce qui se passe. Quoi? Quoi? C'est terrible. Sur ma vie je vais courir. Personne sera prêt. On court! Pourquoi ils me disent d'aller par là? Parce que c'est pas ici peut-être! Wouh! Hop, c'est rien, petite esquive. Coup de flamen cush. Hop, tiens, on va récupérer ça. Hop, c'est rien. Petite esquive, hop! C'est rien. Petite esquive toujours. Oh, mais c'est terrible! Ok, là ça va jouer par zone. Hein. Ça va jouer par zone. À chaque fois qu'il y a une escalade, c'est qu'on va passer à une autre zone qui va être encore plus dangereuse. Ah, je pensais pas du tout que c'était par ici. Si j'avais écouté mon cœur, je pense que la vidéo aurait pu durer une heure ou deux. Peut-être défendre Gaïa. Ça m'étonnerait qu'elle pense. C'est plutôt de l'instinct qui les attire vers sa tombe. Non, attends, je viens de descendre. C'est moi, tranquille. Voilà. Oh putain de merde. Ok. Ok. J'ai pas trop le choix. Il a réussi à monter ce connard hein. C'est incroyable. Ok. Ah! Ok. Alors là, les gars. Oui, j'ai merdé. Je vous l'avoue, messieurs. Messieurs, dames. Peuple français. Oui, c'est. Oh, dégage. Oh! C'est rien. C'est qu'une côte. Lâchez-moi! Terrible! Oh putain! Non! Oh mais c'est terrible! Ma vie est tellement nulle! Ok, c'est bon. Il y a les oiseaux là qui m'aident, les pigeons.
toucher mais pas le bon endroit. Oh c'est terrible, attends ils sont où là? Putain mais ils prennent la relève exactement au bon moment. On va essayer de faire tous ceux qui sont à terre. Voilà. Allez. Oh putain salopard. Ok. On a plus de munitions. C'est terrible. Mais on s'en sort plutôt bien en vrai. Ok lui il est mort. Alors les gars je suis désolé là je reste hyper concentré. Ils font des bombardements de caca givrants. C'est terrible. Ah c'est une terrible histoire. Attends monsieur faut mourir. Waouh. Impressionnant. Allez. Ok on est tranquille. On est tranquille, on est tranquille. Bon je suis désolé que ça soit parti en couille aussi vite. Mais là c'était terrible, c'était terrible. Ah bah il y en a un qui te crame, il y a tout le quartier qui descend. Donc là les gars vous avez bien vu que c'était pas évident. Bon je m'en suis débarrassé assez facilement. On a utilisé que des soins de type plutôt classique. D'ailleurs au lieu d'appeler ma monture, je vais peut-être mettre mes fioles. Fioles de soins, parce qu'on sera très très large. Et on est reparti, tiens on va récupérer. Ah non ça c'est pas des soins, si c'était des soins. Je vais me refaire des flèches en balles. Alors les flèches de feu c'est mon petit péché mignon hein. Je vous cache pas que rares sont les ennemis qui résistent aux flèches de feu. On est parti, direction... Ah non. On passe déjà à la zone suivante. Elle était si petite que ça, c'est terrible. Ça va être encore pire hein, après, hein. Ça va être de pire en pire. Hein. Vous allez le... Je pense que vous l'avez même déjà compris d'ailleurs. Là, vous entendez ou pas? Attendez, par où on passe? On passe par ici. Ok. Putain, je vais voir Gaïa, je sais pas ce que je vais apprendre encore. Ça va être terrible. Ok, c'est par ici toujours. Ouais, voilà. Bon, je savais pas qu'il fallait aller là. D'accord, donc le but c'est que je prenne ma vie. Un vrai plaisir. C'est stylé au ralenti les coups, ça fait. Alors attends. Waouh. Stylé. Alors je suis pas sûr que ça soit le feu son problème. Allez ça dégage. Bon. Attends ne bouge pas comme ça. Comme ça petit. Là il y a de l'acide. Impeccable, je l'ai pas eu. Ok. Ok, j'ai eu ses ailes. Là, là-dessus. Faut que j'arrive à aller là-haut. Ça va être terrible. Ok, on va passer en double flèche rotor. Allez, je l'ai pas touché. C'est bon ça. Ça c'est le plaisir avant tout. Ok, on va passer flèche. Waouh. Attendez, attendez, j'ai envie de tenter un truc. Okay. On sait jamais. Ok, ça marche. Non. Allez, concentre-toi, mais il bouge exactement pour le moment, ce bâtard. Yes! Oh yes! Ok! On continue! C'est bon ça! Ah non, là je suis pas d'accord. Là je devais la voir. Là c'est Iron Man de l'oiseau, lui apparemment. C'est Iron Bird? Quoi? Moi je peux éviter ça. Oh, dans ta gueule.
Alors attendez, je pourrais analyser son point faible. Je pourrais, mais est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Elle revient? Waouh! Alors là, franchement, mettez-vous à ma place. Ceux qui ont fait le jeu peuvent me comprendre. C'est réellement... C'est réellement pas évident. Allez, c'est cassé, ça. Putain, dans ta gueule, toi. Ferme-la. C'est bon! C'est vraiment, vraiment pas facile. Je vous le dis très honnêtement. Je fais pas l'américain. Par contre, je récupère tout, ça va régaler. Ok. Attends, rassure-moi, j'ai tout récupéré. Non, il me manque de quoi avoir une bobine. Donc bougez pas, on va s'en occuper très très vite. C'est dans inventaire, modification. Et ça, on va jeter. Ça, on va jeter. Et ça, on va jeter. On est parti. Allez, mon frérot. Hop. Donne-moi la dernière bobine. Ah, bobine de feu, c'est quand même le petit feu. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. Ah bah, je suis incroyable, hein. C'est vrai que j'ai été... J'ai, avant d'être chasseur, bien évidemment, dans ce monde terrible, j'étais humoriste, hein, on va pas se mentir. Le docteur Sobek était humoriste. Bon, on est parti. On arrête les conneries. Hop, on va récupérer tous les soins. En fait, j'avais un terrain de jeu immense, hein, mais je m'en battais littéralement les couilles. Je préférais... Ah bah, c'est pour le challenge. Je préférais me battre sur 3 mètres carrés. J'ai pas eu le temps d'analyser vraiment la bête, comme on l'appelle dans le milieu. Mais bon, en avais-je vraiment besoin? Je ne pense pas. Il faut juste viser le point... Le point faible. Chose qu'on a réussi à faire sans trop de soucis, n'est-ce pas? Et on va prendre ça... On voit juste que dalle. On est bientôt à Gaïa, là? Oui! Ok. On y est bientôt. Incroyable, mais vrai. Pas si incroyable que ça, par contre. J'ai peur. J'ai peur. Qu'est-ce qui va m'attendre là-haut? Parce que c'est là où est censé être entreposé Gaïa. Hein. Vous l'aurez compris, je ne vous apprends rien. Mes meilleurs amis. Ok, qu'est-ce qu'on a là? D'accord. Le sacrifice de Gaïa. C'est ça. C'est ça qui a fissuré la montagne comme un œuf. Oui, oui. Allez, vite. J'ai pris soin de te préparer le chemin. Alors, tu es déjà venu? En partie. Tu verras. D'accord. Alors là, les gars... J'ai pas envie de vous dire n'importe. Mais figurez-vous que la cinquième batterie est là. Un passage, mais tu as laissé toute une armée de machines. Depuis quand les machines t'empêchent de passer? Si tu pouvais voler, je ne me serais pas cassé la tête à faire un chemin. Ah, très bien. Ça aurait été tellement bien. Faites un DLC où on peut voler, putain, juste pour kiffer un peu nos vies. Ok, c'est par ici. En bas, regarde pas. Pourquoi je regarderais en bas? Il n'y a aucune raison, c'est totalement ridicule. Ok, on va passer par ici. Attends, est-ce que par hasard... Impeccable. Alors, j'espère que ça vous a fait plaisir. Bon, c'est pas grave. Oh putain, mais j'ai failli mourir, vous êtes sérieux, les gars? Ok, on la refait. Elle est quelque part par ici, mais alors, où exactement? J'en ai aucune idée. Je crois qu'il y a un truc à prendre, un endroit où on peut descendre en rappel. Une grosse histoire, quoi. Hein. Sacrée soirée, encore une fois. Mais je pense que c'est un petit peu plus en hauteur. Bougez pas, je vous ai peut-être mis tôt. C'est pas par ici. Ok. C'est exactement le genre d'endroit où je pensais pouvoir te trouver, Silence. Merci. C'est l'un des nombreux ateliers que je me suis bâti au fil des ans. D'accord, il s'est bâti un atelier près de Gaïa, ça va pour lui, hein. Pendant des années, j'ai tenté de franchir cette trappe. J'ai percé, brûlé, fait sauter. Mais tu sais comme moi que toi, tu pourras l'ouvrir. À t'entendre, je devrais m'excuser. Pas du tout. Je n'aurais jamais pensé qu'il ne fallait pas utiliser la force, mais une clé. Une clé humaine. Quel manque d'imagination. Mais toi, tu es là.
On dirait que tu as passé beaucoup de temps ici. Il y a 19 ans, une énorme explosion a détruit cette montagne. La mort de Gaïa, ta naissance. L'écho a résonné jusqu'à la roquette. Les cendres ont assombri les cieux. Les habitants de Méridian étaient terrifiés par ce présage. Les flammes étaient immenses. Une fois éteintes, j'ai été le premier sur le bord du cratère. Peu à peu, les machines sont venues pour le protéger. Ça m'allait. Plus personne n'osait s'approcher. À part moi. Dans son message, Gaïa disait qu'on pourrait la relancer, mais... quand on voit les dégâts, je vois pas comment. Elle a dit qu'il faudrait d'abord détruire Hadès avant d'essayer de la réparer. Elle a raison. Sinon, Hadès pourrait se servir du nouveau système de terraformation comme d'une arme. Gaïa s'étant sacrifié, il a été obligé de trouver des moyens moins... pratiques. Mais... tu crois qu'on pourrait vraiment restaurer Gaïa ? Tu sais ce que les creusets peuvent faire. Ils peuvent fabriquer les technologies nécessaires pour créer une machine. De la même façon, ils devraient être aussi en mesure de reproduire celles qui permettront de réparer Gaïa. Mais ça prendrait des années, et le peu de temps qu'il nous reste se compte en heures. Je pensais que tu serais là cette fois-ci. Vraiment là. Pourquoi ? Ma présence n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de moi pour franchir cette porte. C'est toi qui es né pour ça, pas moi. Quel bâtard ! Bon, je crois qu'il est temps. Oui. Quand tu auras trouvé le système de sécurité, tu auras le pouvoir de vaincre Hadès. Notre futur dépend de toi. Et d'accord. Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour, docteur Sobek. Vous pouvez passer. Alors, trouver le système de sécurité. Très bien. Donc là, on a... là, on a une cage d'ascenseur. Vous savez que nous, on va toujours contre, bien évidemment, la quête. Sait-on jamais. Ça serait dommage de passer à côté de cette cinquième batterie. Tiens, bon, en plus, il y a quelque chose de sympa. Je suis sûr que c'est un message de Silence, non ? Journal des arrivées. Chaîne Margot. Bienvenue dans l'enfer de glace. Nombre d'habitants ? 10. Regarde où tu marches. Tu vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué comme t'es là. Elle est pas finie, la Gaïa. Alors attends avant de prendre les commandes de manteau en fourrure. Travis, je suis contre l'exploitation des animaux. Depuis le temps qu'on bosse ensemble, tu devrais le savoir. On n'était pas censé s'installer ici avant au moins 3 semaines. En plus, j'ai perdu 350 kilos de manga porno dans le déménagement. Sérieux ? Des versions papier ? Pourquoi tu les as pas numérisées ? J'ai le sens du toucher aiguisé, figure-toi. Et puis ici, on va pas toucher grand-chose d'autre. Je m'étais dit que je passerais mon temps libre à les archiver. Ok, ça parle de manga porno, c'est très 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 intéressant. Néanmoins, la cinquième batterie est ici, les amis, et il va falloir la trouver. Et si je ne m'abuse, c'est par ici, je crois. Impeccablement, impeccablement bien. Voilà, on est d'accord, hein, je crois que c'est par ici. Hein. Arrêtez-moi si je me trompe. Attendez, là on va où là ? Je vous demande à vous comme si vous pouviez me répondre. Là c'est pas la quête, donc c'est forcément le... non ? Hein ? Allô ? Batterie ! Elle est là ! On les a ! Une cinquième batterie. Elles doivent pouvoir se placer quelque part. Incroyable ! Et je sais où ! Donc on ira chercher l'armure antique, prochaine vidéo, ou peut-être à la fin de celle-ci si on a le temps, qui sait. Donc là c'est parti, on doit aller retrouver le cœur de Gaïa, enfin la montagne déchue. Par contre c'est par où le vrai chemin maintenant, ces conneries, parce que on est là, on rigole. Très bien. Ah, j'ai voulu tenter un truc, ça m'a enculé. C'est là-haut que je dois aller. Très bien. Ah non, c'est là-haut que je dois aller. Encore mieux. Donc c'est par ici. Je vais devoir passer par là. Ok, d'accord. Donc, c'est classique des jeux d'aventure, hein, faire le grand contour pour aller à un endroit derrière nous. Il a tenu comme ça pendant 19 ans, hein ? Eh bien... non, ne dire. D'accord. Elle avait peur que ça s'effondre, hein, vous aurez compris la petite vanne. C'est parti, on trace maintenant qu'on a la cinquième batterie. On n'a plus à s'inquiéter. Oh, ça c'est fait.
Ah, mais c'est un bateau. Non? Un avion, peut-être? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Allô? Ok. Ok, on va passer par ici. D'accord. On est bon. Pas par là. Alors... Non, je devrais essayer par le haut. Pardon? Genre, sérieusement, les gars, y'a rien en bas? Genre, sérieusement? Vous êtes tellement chiants! Ok, bah, on va essayer tout en haut. Bon, bah, écoutez, de toute façon, je devais descendre, j'avais des trucs à récupérer en bas. C'est parti. C'est par ici. Ok. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'on fait là. Parce que de toute façon, j'ai pas tué Hadès, donc ça ne sert à rien. Ah, forcément, doit y avoir quelque chose là-haut. Pas du tout. Allez, c'est parti. Ah, oh, bah, c'est mon instinct de chasseur, hein. Des fois, il merde. Hein. C'était sûrement là qu'il vivait. Il okay, restait pas grand-chose. À l'époque, tout ça était entouré de roches et de métal. Ok, on sait jamais hein, si on loupe un petit truc sympa. Ah, bah voilà! Enregistrement. Je viens de me réveiller, il est... Je vois les chiffres, mais j'arrive pas à les lire. J'ai fait un rêve. Je donnais une conférence, mais c'était peut-être un truc un peu plus... ésotérique, je sais pas. Je voyais pas les visages des gens du public. On était sous un ciel immense. Je leur expliquais que le monde avait disparu à cause des robots. Et que les derniers humains s'étaient ensuite éteints, mais pas brutalement. Sans un bruit. Enfermés dans des grottes comme à la préhistoire, serrés les uns contre les autres autour d'un feu. Les chefs d'État, les milliardaires, les grands patrons, les gagnants du loto, les gourous, tous coincés dans leurs petits abris anti-atomiques. Certains croyaient qu'ils survivraient d'une façon ou d'une autre. Dans l'Elysée, ou ici, au complexe, c'est pareil. Des tas de petites sociétés qui s'accrochent, qui s'amenuisent lentement, et qui meurent. Certaines seront magnifiques, et d'autres horribles. Mais peu importe, finalement. Des civilisations à court terme. La chambre d'Elisabeth. J'en suis sûre. Elle n'a même pas eu le temps de s'installer. Ce sont ses journaux. Les journaux d'Elisabeth. Mais ils sont détruits. Scanlay. Le focus peut les reconstituer, mais ça va prendre du temps. Pour nous, c'est un puissant appareil, mais son moteur est petit et limité. Combien de temps? Des jours, des semaines, des années. Occupe-toi d'abord d'arrêter Hadès et de prolonger notre existence. Et tu auras peut-être une chance de les lire un jour. Attends, faut que j'arrête Hadès, là? Mais il était pas ici, Hadès, si? Elisabeth. Qu'est-ce que c'est? Ok, examinez l'hôtel. C'est parti. Je voulais juste être sûr qu'il n'y avait rien. Ici Charles Ronson. J'enregistre ce message 6 heures après la mise en place du complexe Gaïa. Ce matin, nous avons eu un problème de port d'accès. À la fermeture, les joints des accès du complexe laissent un vide de moins de 2 mm. Mais cette fois, le vide était de 10 mm. Assez pour une fuite de signature énergétique. Assez pour que les robots repèrent la structure. Assez pour que Gaïa soit découverte et détruite. Assez pour anéantir le futur que nous avons passé tant de temps à construire. Sauf si quelqu'un réengage les servomoteurs de la trappe de l'extérieur. Je passe à un enregistrement de l'incident. C'est pas moi qui sors, en tout cas. J'ai pas signé pour ça. Soit on désigne quelqu'un pour s'en charger, soit on aura fait tout ça pour rien. C'est à Lise de décider. Et elle compte attendre longtemps avant d'arriver. Elle avait dit 5 minutes. Est-ce qu'elle serait... Oh non. C'est bon, tout va bien. J'ai réparé le joint. Gaïa. Vite calculé à 1,4 mm. Confirmé. Elisabeth, non. On va trouver un moyen de te faire rentrer. Impossible, les robots sont trop près. Ça va, ne vous en faites pas. Gaïa est terminée. À partir de maintenant, elle s'occupera de tout. Pas comme ça, on a encore tellement... Les amis, vous me connaissez.
les trucs qui se finissent, j'aime pas trop ça, alors... Faisons vite. Bon. Bonne balade, Liz. D'accord. Très intéressant. On a les enregistrements de tous ceux qui étaient autour de la table, je suppose. Je sais que tu n'aimerais pas ça, Liz. Mais j'ai écrit une oraison. Il fallait que j'essaie d'exprimer... tous tes enfants. Quand Apollon aura terminé sa mission, ils croiront tout savoir. Mais il faut absolument qu'ils comprennent tout ce que tu as fait pour eux. Et à quel point tu aimais notre monde. Avec une intensité étourdissante, douloureuse. Et puis, finalement, ce monde t'a tué, ou tu es morte pour lui. Ça dépend où on se place. Personne ne pouvait te suivre, ni être à ta hauteur. Va savoir, peut-être que si je n'avais pas accepté ce poste à Johannesburg, je suis content que tu aies décidé d'annuler le protocole Memento. Je ne crois pas que j'aurais supporté de voir une autre toi. Parce que... Elisabeth Sobeck... Il ne peut y en avoir qu'une. Tu me manques. Et pourtant... Tu sais, Liz... T'étais vraiment une fille bien. Je suis triste que tu sois morte. J'espère juste que... T'as réussi à rentrer chez toi avant. Mais là... L'hôtel que Ronson a érigé en ton honneur... Franchement, c'est trop. Repose en paix, Elise. Tu l'as mérité. Et si elle était pas morte? Ça peut pas être con. Et si c'est elle qui avait reconstruit la civilisation dehors en parallèle? Donc, la toute mère, etc., etc., qui a créé ce culte. Ça pourrait être intéressant. Salut, Liz. Je sais que tu n'entendras jamais ce message. Mais c'est pas grave. Tu as pu jouer à la fois les sauveuses et les martyrs sur ce coup-là. Pas mal. Ah, très bien. Alors, il y en a qui avaient une haine contre moi. Elle est morte. Pour de vrai. Elle n'aurait jamais pu survivre, Aloy. Mais ce qu'elle a réussi... est exceptionnel. Tout le monde se disputait, mais elle a fait ce qui devait être fait. Elle seule le pouvait. Elle valait mieux qu'eux. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est pourtant vrai. Pourquoi tu ne veux pas l'admettre? Cesse de te comporter comme une machine. Tu ne comprends rien, elle était différente. Mm-hmm. Le cerveau, cette fois-ci? Tu la crois supérieure pour son intelligence. Parce qu'elle avait conçu Hope Zero, mais tu ne comprends pas. Elle était exceptionnelle, parce qu'elle n'a pas hésité un instant à se sacrifier. Pour les autres. Pour tous ceux qui viendraient après. Non. Elle ne voulait pas que sa création échoue. Tu confonds la volonté et la compassion. Tu te trompes. Elle savait que Gaïa ne devrait pas que penser. Qu'elle devrait aussi ressentir. Elle lui a appris à aimer, à croire en la vie. Des armes contre le désespoir. Sans ses émotions, la vie aurait disparu. Toi et moi n'aurions jamais existé. Je vois ce que tu veux dire. Je regrette que tu l'aies... perdue. Elle a parlé de rentrer chez elle. Peut-être... Quoi? Rien. On continue. Peut-être là où elle est née. C'est intéressant. Alors... je suis passé à côté d'une conversation intelligente... intéressante, pardon, c'est vous qui l'avez souligné. Fallait que je reparle à toute mère, donc on le fera après cette quête. Si je n'oublie pas, et vous me connaissez, je risque d'oublier à 800 000% à peu près. Mais bon, on va faire en sorte que non. Hop, petit 360, c'est moi qui régale, les gars.
Évitez de vomir, s'il vous plaît. On est parti. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-haut, là? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Trouver le système de sécurité, c'est très bon, ça. Est-ce qu'il peut me dire où est Hadès? Sur un malentendu? Non. Alors là, tu vois, voilà, c'est les moments chiants où la caméra fait que tu vas à l'opposé de là où tu souhaitais aller. Hop, c'est pas par ici. Oh là. Il y a une autre salle de l'autre côté du cratère. Elle a résisté à l'explosion. Parce qu'elle était blindée. C'est la salle des commandes. J'y vais. Oh! J'ai cru que j'allais mourir! Ok. On est parti. J'ai vraiment cru que cette fois c'était la dernière. C'était la dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Allez, on est parti. Ouais, bon, les gars, je suis un petit peu. C'est vrai que j'étais. Quoi? Quoi? Oh, mais les gars, non! Je voulais pas tomber! Elle a glissé!